Chers amis, bonsoir. 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 Nous sommes à l'avant-dernière soirée. Il ne nous reste que deux soirs pour terminer notre campagne. Et nous voulons nous réjouir avec nos visiteurs ce soir. Nous allons permettre à ce qu'ils continuent de chanter. Même après la campagne, nous allons distribuer quelques CD. Nous souhaitons que nos visiteurs chantent la gloire de Dieu même après la campagne. Le Seigneur a-t-il été bon pour nous au cours de la journée? Amen. Nous bénéficions de son amour, de sa bonté chaque jour. Pas vrai? Chaque jour, il fait lever sur nous son soleil. Il nous permet de traverser la nuit. Et nous voyons à nouveau le soleil brillait sous nos têtes avec la possibilité de choisir, pas vrai? La possibilité de faire un nouveau choix dans nos vies, de faire le bilan de la journée d'hier, de nos jours passés et de dire, je peux changer tout cela par la grâce de Dieu. Donc, tant qu'on est en vie, il est possible de changer toutes choses. Hier, on a traité la première partie concernant le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Est-ce qu'on peut nous rappeler les éléments qu'on a vus hier? Ah, il y aura de faux Christ avant le retour de Jésus. Quoi d'autre? Sera inattendu. Le retour de Jésus sera inattendu. Quoi? Tout œil le verra. Donc sera visible. Le retour de Jésus sera visible.
on ne va pas l'annoncer dans les journaux, etc. Non, ce sera visible pour tout le monde. Ce sera audible. Il y aura le son des trompettes qui réveilleront les morts pour rassembler les enfants de Dieu des quatre coins de la terre. Donc, c'est un résumé du message d'hier. Un résumé. Donc, nous avons de bons élèves. Pas vrai? Ce soir, nous allons continuer avec le retour de Jésus, mais la deuxième partie. Et les éléments que nous allons voir ce soir, c'est les conséquences du retour de Jésus. Les conséquences, c'est-à-dire ce qui se fera, ce qui va arriver à cause du retour de Jésus. Les conséquences du retour. D'abord, les conséquences pour la terre. La terre en tant que globe, la structure terrestre, le ciel, la terre, ce qui est autour de nous, notre environnement. Quelles seront les conséquences pour la terre? Deuxièmement, quelles seront les conséquences du retour pour la population, la race humaine, le genre humain? Comment est-ce que nous serons au retour de Jésus? Troisièmement, quel sera le sort des perdus, des infidèles? Le sort des perdus, des infidèles. Comment ils seront en ce jour-là? Et en dernier lieu, les élus. Quelle sera leur situation, la conséquence du retour pour les élus au moment du retour de Jésus? Donc, après le message ce soir, tout le monde pourra répondre à ces quatre questions, pas vrai? Ces quatre éléments. La terre sera dévastée. C'est la première chose que nous dit la Bible. La terre, telle que nous la voyons, ne sera plus la même. La terre ne sera plus la même. C'est pour cela qu'on parle de sauver au retour de Jésus. Les sauver, les gens qui ont été rachetés, pour qui il y a eu un sauvetage. Est-ce qu'on comprend? La terre sera dévastée, les gens qui auront la chance d'être pris et enlevés de la terre, ce seront des gens qui auront été sauvés d'une catastrophe. C'est pour cela qu'on parle de salut, le salut de ceux-là qui devraient être perdus. Donc, la terre sera dévastée. Lisons le texte qui se trouve dans Ésaïe 51, le verset 6. Le texte dit, « Levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas, sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. » Ésaïe 56. Ésaïe 51, le verset 6. C'est un texte, je dirais, qui est profond pour celui qui étudie la Bible. C'est un texte qui révèle beaucoup de choses pour celui qui est en contact avec la parole de Dieu. Le texte nous dit, la terre s'évanouira comme... Alors, les cieux vont s'évanouir comme de la fumée. Vous voyez, quand la fumée monte et se disperse, ça disparaît dans l'espace. Donc, la terre, avec son environnement, va disparaître. La terre tombera comme un habit qui n'est plus bon à rien, un habit qui tombe en pourriture. Donc, on ne peut rien faire avec. La terre sera détruite.
Mais l'autre partie du texte dit, ses habitants périront comme des mouches, tandis qu'il y aura des gens à tomber comme des mouches, mais il y aura une autre partie, le texte dit, mais mon salut, c'est-à-dire pour ceux-là qui s'attachent à moi, mon salut durera. Pour ceux-là qui s'attachent à moi, mon salut durera éternellement. Quelle grâce avons-nous de connaître celui-là qui peut nous aider à passer à travers cette catastrophe, à trouver le salut. À l'époque des de facto en Haïti, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient en Haïti à cette époque-là. À chaque fois que le soleil allait se coucher, personne n'était sûr qu'ils allaient traverser la nuit et voir le lendemain. Personne. Parce que les bandits à l'époque en Haïti, ceux que l'on appelait à cette époque les Zinglindous, les Zinglindous étaient sûrs d'eux-mêmes à un point tel qu'ils pouvaient vous appeler avant de venir. Ils vous appellent, ils vous annoncent dans la soirée, nous passerons. Nous passerons plus tard et ils disent des fois ce qu'il faut laisser. Nous viendrons. À ce moment-là, tout le monde qui espérait en Dieu ne faisait qu'une chose, demander au Seigneur de monter la garde autour de leur maison. Parce que la catastrophe était sûre, le désastre était là et ils étaient puissants. Mais le Seigneur a secouru ses enfants. Parce que on n'avait pas les moyens de se défendre devant cette situation. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui veille sur les enfants. Ce sera la même chose et même pire encore au dernier jour. Au retour de Jésus, personne ne pourra vous sauver de cette catastrophe sinon Jésus. C'est pour cela qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Je suis la porte. C'est par moi que vous pouvez entrer dans la vie. Donc, c'est pour cela que nous vous appelons, nous vous invitons à vous attacher maintenant à Jésus, à soigner votre relation avec Jésus, à maintenir votre relation avec Jésus, à prier chaque jour pour que l'on soit prêt quand ce jour arrivera. 2 Pierre 3, versets 10 à 13 nous dit à peu près la même chose. Le jour du Seigneur viendra comme voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament annoncent la destruction de la terre. Annonce la destruction de tout ce que nous voyons, de toutes ces choses-là auxquelles nous sommes attachés maintenant, qui nous empêchent de choisir Jésus. Il y en a qui ne veulent pas s'attacher à Jésus maintenant parce qu'ils sont attachés à des biens de la terre. Ils sont attachés à des buildings, ils sont attachés à des maisons, ils sont attachés à des voitures, ils sont attachés à l'argent. Mais tout cela
Tout cela périront, se dissoudront, s'évanouiront au dernier jour. Aucune de ces choses va rester au dernier jour. Tout sera détruit. La seule chose qui restera, c'est le salut en Jésus. La seule chose qui va rester, c'est le salut en Jésus. C'est pour cela, maintenant, je ne dis pas d'aller vendre vos maisons. Je ne dis pas d'aller jeter vos argent, non. Mais ne donnez pas à l'argent la première place. Donnez à Jésus la première place. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Si nous avons Jésus, nous avons tout. Nous avons maintenant la garantie que nous aurons la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 6, 14, et Apocalypse, chapitre 20, verset 11, nous disent, « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Les montagnes et les îles sont balayées. Balayées, les îles, comme Haïti, l'île d'Haïti, Cuba, les Bahamas. Toutes les îles que vous connaissez, ce bouleversement va balayer les villes. Et certains diront, moi, j'habite pas dans une petite île. J'habite dans un grand pays. Même les montagnes fuiront en ce jour-là. Même les montagnes, c'est-à-dire les grands continents ne pourront pas résister au jour du Seigneur. Rien ne pourra résister ce jour-là. Tout sera détruit. Tout sera détruit. Et leur place ne fut plus retrouvée. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le grand trône blanc symbolise le trône de Jésus. Jésus qui reçoit le règne, la domination. Il reçoit le royaume qui ne passera jamais. Le royaume qui, établi une fois, devra durer à toujours et à perpétuité. Jésus reçoit le royaume et son peuple avec. Et devant lui, rien ne va rester. Seuls ceux-là qui s'attachent à lui vont pouvoir vivre en ce jour-là. Conséquence pour les humains, la race humaine, la terre sera divisée en deux grands groupes. Deux grands groupes, pas trois. Au retour de Jésus, il n'y aura que deux groupes de personnes. Les sauvés et les perdus. Ceux qui sont avec Jésus et ceux qui ne sont pas avec Jésus. Donnez-leur le nom que vous voulez, mais vous n'avez que deux choix. Soit vous êtes avec Jésus, soit vous n'êtes pas avec Jésus. Papa dit nous c'est méchant, papa dit nous non pour le péché, etc. Nous non, je dis à la fâche avec. Bon, quel que soit le nom nous voulons gagner, hein? Nous mettons les têtes nous juste, oui. J'en nous voulons. Ce qui importe, est-ce que vous avez reçu la marque de la bête ou le sceau de Dieu? Est-ce que vous observez les commandements de Dieu? Est-ce que vous avez reçu le sceau de Dieu? Est-ce que vous acceptez de marcher selon la loi de Dieu, selon ses commandements, selon ses principes? Est-ce que vous avez reçu l'évangile éternel? Est-ce que vous avez cru en l'évangile éternel? Est-ce que vous avez reçu le baptême? Si vous avez fait tout cela et que vous demeurez ferme de la foi, vous êtes avec Jésus. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous êtes sans Jésus, il n'y aura que deux groupes. Le texte dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations de la terre seront devant lui et il fera le tri
il séparera les sauvés d'avec les perdus. Il réunira toutes les nations devant lui et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. C'est soit à droite ou bien à gauche. C'est soit à droite ou bien à gauche. Pas qu'on l'autre chance. C'est aujourd'hui pour nous décider dans qui nous sommes. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. Certains diront, ah non, il y aura un temps où nous pourrons être sauvés comme au travers du feu. C'est bien ce moment. Avant le grand jour du retour du Seigneur, tandis que nous sommes dans la période de jugement, tandis que Jésus est en train de marquer ses enfants et que Satan, lui aussi, rassemble ses disciples. Jésus dit, moi, à mon retour, je vais séparer la terre en deux grands groupes. Toutes les nations seront devant moi et les uns seront à ma droite et les autres à ma gauche. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux groupes? Matthieu 25, verset 34 et 41 nous dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ceux-là qui seront à sa droite, ce seront les fidèles. Ceux-là qui seront à sa droite, c'est ceux-là qui ont accepté l'évangile éternel. Ceux-là qui ont cru en l'évangile éternel. Ceux-là qui ont reçu le baptême. Ceux-là qui ont répondu à l'appel de l'ange disant, « Craignez Dieu !» et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ils seront à la droite du roi, et le roi dira à ces gens-là, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et à l'autre groupe, ensuite, il dira, à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses saints anges. Et pour ses anges. Je veux attirer votre attention sur un élément important dans le texte. Des fois, nous lisons le texte, mais nous ne prenons pas attention. Nous ne faisons pas attention au texte. Pour qui le feu éternel a été réservé? Pour qui? Seulement pour Satan et pour ses anges, pas pour nous. Mais malheureusement, nous choisissons d'abandonner Dieu et de marcher dans la rébellion avec Satan. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme aille à la perdition. Dieu n'a jamais fait le plan pour qu'il y ait des perdus. Dieu a toujours voulu que tous parviennent à la conversion. S'il y a une prédestination, s'il y a un plan de la part de Dieu pour l'homme, c'est la vie éternelle pour tout le monde. Jésus nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son amour l'empêche de vouloir que nous périssions. Il ne veut pas qu'un homme périsse. Il ne veut pas qu'aucun de nous périsse, mais il veut que nous arrivions avec sa patience à avoir la vie éternelle. Mais malheureusement, certains d'entre nous ne voudront jamais accepter Jésus. On voudra leur demander de prendre la décision de se faire baptiser. On va supplier beaucoup de monde. On va supplier des gens de toutes les nations de la terre pour prendre la position, pour prendre la décision, pour se décider pour Jésus. Mais ils ne voudront pas, malheureusement. Mais le texte dit,
parce qu'ils auront choisi de marcher avec Satan, ils iront dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 24, verset 40 à 42 nous dit, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. » L'un sera pris, l'autre laissé. L'une sera prise et l'autre laissé. Mouché pape ka sauver madame. Parce qu'on a dormi sous même cabane, youn ka prier pour l'autre. C'est pas parce que maman l'église. C'est pas parce que ou gen bonne relation avec saint tel, avec ancien tel, avec pasteur tel ou bien avec groupe diakona sa ka prier ka faut sauver, non? L'un sera pris et l'autre laissé. C'est votre préparation. C'est votre préparation qui vous donnera une place auprès de Dieu. C'est votre relation personnelle avec Dieu. C'est ta décision de marcher avec Dieu qui va t'assurer la vie éternelle. Chacun devra décider personnellement. Chacun devra dire, moi, je choisis de servir mon Dieu. Moi, je choisis de marcher avec mon Seigneur. C'est moi qui ai décidé cela. Pas mon père, pas ma mère, pas mon ami. Parce qu'on pourra être ensemble dans le champ. On pourra travailler ensemble dans un bureau pendant 10 ans, 20 ans. Mais mon salut ne peut pas être pour toi. Ton salut ne sera pas pour moi. Chacun devra décider pour sa personne. Les infidèles périront malheureusement. Joël 3, versets 13 et 14 nous dit, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Un grand nombre d'habitants de la terre vont mourir parce qu'ils n'ont pas voulu croire à l'Évangile. L'Évangile sera prêché. Mais un grand nombre, ils seront nombreux à refuser d'accepter l'Évangile. Le Seigneur annonce tout cela pour nous sensibiliser, pour nous porter à prendre conscience. Parce qu'il ne veut pas qu'on périsse, mais au contraire, il veut que tous nous parvenions à la repentance et qu'on ait la vie éternelle. 2 Pierre 3, verset 3 à 5 nous dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Certaines personnes qui n'ont pas une idée prophétique des événements de la fin des temps, ils n'ont pas une idée globale des événements qui doivent arriver avant le retour de Jésus. Ils disent, ça fait longtemps qu'on annonce ce retour. Mais pour ceux-là qui étudient la Bible, ils savent que des événements doivent arriver avant le retour de Jésus. Ces événements doivent se succéder pour cumuler après, pour donner
le dernier événement qui renversera tous les empires de la terre pour établir un empire qui ne passera jamais. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils voient un royaume venir, un autre le remplacer. Ils disent que c'est la même chose depuis la création du monde. Mais ils n'ont pas compté le nombre de royaumes qui doivent passer. Nous sommes au dernier royaume. Nous sommes au dernier royaume. Ce dernier royaume devra poser un dernier acte. Ce dernier acte, c'est de rassembler la terre autour d'une loi. Une loi qui va à l'encontre de la loi de Dieu, qui provoquera une persécution. Et lorsque cette persécution aura été déclarée sur terre contre les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus reviendra du ciel. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Seigneur ne peut pas revenir avant ces événements parce que le Seigneur ne ment jamais. Ce qu'il prédit doit arriver. Le Seigneur ne peut pas revenir demain. Quand quelqu'un te dit que le Seigneur peut revenir demain, il te lance une parabole. Cette parabole signifie que toi, tu peux mourir. Tu peux mourir et ne plus avoir la possibilité de choisir. Comme si tu meurs, tu ne vas ressusciter qu'au dernier jour pour rendre compte. C'est comme si le Seigneur Jésus était revenu pour toi. Mais Jésus ne peut pas revenir demain. Non, ce n'est pas possible. Parce que la séquence des événements doivent arriver, comme prédit dans la Bible. Il faut qu'il y ait une persécution généralisée contre les enfants de Dieu. Et c'est au moment de la persécution. Le Seigneur avait dit, priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il faut qu'il y ait cette fuite, il faut qu'il y ait cette persécution, il faut qu'il y ait ce moment avant le retour de Jésus. Et Jésus avait dit, ce jour sera si terrible que si Dieu n'avait pas choisi d'intervenir, même les élus ne seraient pas sauvés. Mais à cause des élus, il va abréger le nombre des jours de la persécution. Il va écouter ce nombre de jours. Il va rendre la persécution plus courte pour intervenir, pour aller au secours de ses enfants. Le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi, et de mes paroles, ceux-là qui refusent d'entendre la parole de Dieu, ceux-là qui refusent d'écouter la parole de Dieu, qui ne se sentent pas à l'aise pour parler de Jésus, quiconque aura honte de moi, nous dit Jésus, et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Est-ce que nous avons parlé de Jésus aujourd'hui? Hein? Nous avons levé les mains pour Jésus? Nous avons pris une décision pour Jésus aujourd'hui? Hein? Si nous avons aujourd'hui, bonjour, Jésus n'a pas levé les mains pour nous. Les gens qui souhaitent pour lui, c'est pour lui que Jésus a changé de chemise. On nous souhaite pour lui aujourd'hui. Hein? On nous prend des décisions pour Jésus. Donc, je me dis hier soir, il se peut que vous n'ayez pas assez de force pour être parfait. Mais le Seigneur va diriger ses saints anges pour vous aider. Il va intervenir, il va agir pour vous aider, comme les parents aident leurs enfants dans la période où ils doivent apprendre à marcher. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Et à cause de cela, il viendra en aide à ceux qui s'appuient sur sa force. Apocalypse, chapitre 6, versets 15 à 17, nous dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes
et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Les méchants ne pourront pas résister en ce jour-là. Ils ne pourront même pas regarder Jésus en face. Ils ne pourront pas voir l'éclat de sa venue. Ils ont honte de parler de Jésus. Qu'on y a la lumière de sa gloire, pas qu'à protéger encore. Ils ne pourront pas regarder Jésus. Texte avait dit. Au lieu que vous campiez en face, Jésus a préféré mandon roche tomber sous vous. Mande montagne yo, vide corps nous sous moi, tout yem, parce que je ne peux pas garder bagay ça. Si nous avons traduit en créole, c'est un remords terrible. Oui, ça a tapé, pas vrai? Un monde qui dit tant pour le succès, un tel, il préfère mourir. Tant pour moi, un tel a privé, côté la privé, je préfère mourir, je ne préfère pas vivre encore. C'est parce que. Li gon gêne, li gon remords, il te gen occasion pour t'accepter Jésus non longtemps. Il avait l'occasion, il avait la possibilité de prendre la décision, maintenant il honte. Il tellement honte, il pas qu'à garder. Rocher, montagne, tomber sur nous. Ce sera le cri des méchants, ce sera le cri des infidèles, ils ne pourront pas contempler la face de Dieu. La face de Jésus. Mais moi, je préfère que vous ayez la chance de dire, c'est mon sauveur qui vient. C'est mon sauveur. C'est mon salut qui vient. Donc, réjouissez-vous, car voici, il vient sur les nuées. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Pas vrai? À ce moment-là, nous serons tellement en joie de la libération que Jésus va nous apporter. On sera content d'aller à sa rencontre. Mais quand on sait qu'on n'est pas son ami, quand on sait qu'on est dans le camp adverse, quand on sait qu'on n'est pas avec lui, on n'est pas content de le voir revenir. Les fidèles ressuscités seront transformés et recevront l'immortalité. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 nous dit: car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Si les méchants ne peuvent pas le regarder en face, si les méchants, eux, demandent aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux, mais nous, nous serons contents et nous serons enlevés. Ceux-là qui seront encore vivants et ceux-là qui ont été tués, ceux qui ont été arrêtés, battus, tués dans la persécution, ils seront ressuscités et transformés. Ils prendront leur envol pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Et ainsi, ils seront avec Jésus pour toujours. Amen encore. La Bible nous donne la position de chaque groupe. Mais moi, j'aurais aimé être dans ce groupe. J'aurais aimé être dans ce groupe. C'est pour cela, même avec mes défauts, je choisis de me mettre aux côtés du Seigneur. Je choisis de lutter aux côtés du Seigneur Jésus. Je choisis de marcher avec lui. Je choisis de dire moi tel que je suis. 1 Corinthiens 15, versets 51-53, nous dit: voici, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère, quoi? C'est quoi le mystère? Nous ne mourrons pas, pas tous, mais tous nous serons changés en un instant,
En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Je dis à maladie, fais-nous marcher l'aide. Maladie, kokobe nous. Le péché nous rend laid. Il y a des gens qui gardent nous, ils virent tête parce que nous pas assez jolis. Maladie, finak nous, misère. Parce qu'il y a des choses qu'on voudrait faire, mais à cause de notre foi, on ne peut pas le faire. Mais le Seigneur dit, je vous dis un mystère. Il révèle à l'apôtre Paul de dire aux enfants qui attendent, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Certains connaîtront la mort, mais d'autres resteront vivants jusqu'au retour de Jésus. Nous ne mourrons pas tous. Mais le mystère, ce n'est pas ça. Mais tous nous serons changés. Tous nous connaîtrons une transformation. Ce corps corruptible qui tombe malade, qui tombe en pourriture après notre mort, des fois même étant vivant, nous sommes pourris. Nous avons un cancer qui nous ronge à l'intérieur. On ne peut rien contre ça. Ce corps corruptible, le Seigneur nous fait la promesse. Un jour, à mon retour, au son de la dernière trompette, vous serez changés. Vous aurez un corps nouveau. Un corps qui ne connaîtra jamais la maladie. Un corps qui ne connaîtra jamais la pourriture. Un corps qui ne connaîtra jamais la mort. Parce que vous aurez l'immortalité en ce jour-là. Le retour de Jésus va transformer les sauvés. Nous n'aurons plus de maladie, plus de pleurs, plus de tristesse. Mais tous nous serons changés. Ésaïe 25, versets 8 et 9 nous dit, il anéantit la mort pour toujours. Amen. C'est des textes qu'on trouve et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Certains disent, en l'Ancien Testament c'est un livre, le Nouveau Testament c'est un autre livre. Toute la Bible parle d'un Dieu qui veut sauver ses enfants. Un Dieu d'amour, un Dieu qui cherche ses enfants et qui veut les sauver. La mort sera anéantie pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Amen. Amen encore. Si vous aimez vos enfants, priez pour qu'ils restent à l'église. Priez pour qu'ils restent à l'église ou pour qu'ils viennent à l'église. Si vous aimez vos enfants, priez. Si vous aimez vos parents, priez pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Parce que se mettre aux côtés de Jésus, c'est s'assurer de la vie éternelle. C'est s'assurer qu'un jour, nous n'aurons plus de larmes. Nous n'aurons plus de larmes. Il fait disparaître de la terre, de toute la terre, l'opprobre de son peuple. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui était pour nous comme un fardeau. En tant que chrétien, tout le désastre qu'on a connu en tant que chrétien, Dieu va faire disparaître tout cela. Tout cela, il essuiera toute larme de nos yeux. Car l'Éternel a parlé. En ce jour-là,
on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. En ce jour-là, on sera content, on dira, voici, lui, c'est notre Dieu. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. Arrivé au travail, vous dites à votre collègue, j'ai reçu un message au cours de 3 semaines. Le message de Dieu et j'ai décidé de marcher avec lui. Yo mouche nesou. Quoi? Qui est gars au fait là? Oui. Tout le monde a passé dans Tintin Jodia parce qu'on décide de marcher avec Jésus. Mais bonjour, Cap Vini. Les tout le monde en déception. À ce moment-là, tu relèveras ta tête. Et tu diras, voici. Ça nous pas de quoi, amen. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Le Seigneur veut sauver son peuple. Le Seigneur, avec son retour, redonnera la joie à son peuple, fera disparaître les pleurs, la tristesse au milieu de ses enfants. C'est pour cela qu'il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Ce soir, nous voulons vous donner une occasion en ce soir de vous placer du côté de ceux-là qui vont se réjouir au retour de Jésus. Il y aura deux groupes. Le retour de Jésus séparera les habitants de la terre en deux grands groupes, les sauvés et les perdus. Les fidèles d'un côté et les infidèles de l'autre côté. Un groupe dira, montagne, rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui vient. Mais un autre groupe dira, voici, c'est notre Dieu, celui en qui nous avons confiance. Voici, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel notre Dieu. Réjouissez-vous de son salut. Nous invitons pasteur Juloise et pasteur Edwin à passer dans la salle. S'il y en a qui n'ont pas encore signé de carte, qui n'ont pas encore choisi, qui n'ont pas fait le choix encore de se faire baptiser pour Jésus, c'est bien le temps de le faire. Nous aurons très bientôt, au cours du week-end, une cérémonie baptismale. Vous avez la possibilité de vous préparer pour la vie éternelle. Vous avez la possibilité aujourd'hui de prendre une carte et de dire, moi, je veux être parmi ceux-là qui vont avoir la vie éternelle. Je veux être parmi ces gens-là qui vont dire, Seigneur, merci de me sauver. Merci de revenir sur terre pour me chercher. Merci de me donner le salut. Nous ne voulons pas être parmi ceux-là qui fuiront dans les cavernes, qui diront aux rochers et aux montagnes, tombez sur nous. Nous allons chanter avec les chantres et levez la main et prenez la carte. Si vous avez déjà signé la carte, vous pouvez prendre une carte pour juste confirmer votre décision. Nous savons que la plupart de ceux-là qui sont là, ils ont déjà signé la carte, mais vous pouvez quand même remplir la carte pour confirmer la décision.
Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. J'aime ta voix. Il n'est pas trop tard pour prendre la carte. Nous voulons seulement croire que vous avez compris qu'il n'y aura pas de seconde chance. J'ai entendu plusieurs messagers, plusieurs prédicateurs annoncer une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. Jésus dit lui-même, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui rejette le Fils rejette aussi la vie éternelle. Nous insistons pour vous supplier. Nous insistons pas parce que nous voulons vous forcer à prendre une décision, non. Parce que je ne vais pas vivre ma relation pour vous. Je ne peux pas vivre votre relation pour vous avec le Seigneur. Si c'est forcé ou forcé à accepter Jésus, ou à finir baptisé ou virer d'eau ou aller. Si c'est pression nous bas pour entrer à l'église, ou à finir prendre quatre là, ou plonger, ou venir l'église des jours, ou aller. Nous voulons seulement que ceux-là qui sont convaincus, que ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont compris qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, qu'ils choisissent de marcher avec Jésus. Vous avez le choix de croire ou de ne pas croire. Vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'au dernier jour, que vous ayez le regret d'avoir refusé d'accepter Jésus. La mort n'est rien comparé au regret que les perdus auront le dernier jour. Moun ka perdu yo, la mort pa vle di rien pour yo par rapport à regret que yo poil gagner face à bagay ap wè yo perdu les Jésus tourné. La mort pa rien. C'est roi pour mourir. Mais lor konnen te ka gagné la vie éternelle. Lorsqu'on est, qu'on a des possibilités
pour te gagner trésor ça en Jésus et qu'on refusait, c'est à ce moment-là qu'on va le sentir qu'on remords qu'a ravagé. L'homme on dit s'il te connaît son bagage qui ravage l'âme, qui ravage l'esprit. Pas gagné pidu que laisser conscience ou cap calé. Pas gagné pidu si ta femme, si ton mari, si un voisin t'insulte ou cap prend la fuite ou cap décider aller loin, aller vivre loin lui ou cap décider divorcer. Mais tu ne peux pas abandonner ta conscience. Tu ne peux pas te séparer de ta conscience. Quand c'est ta conscience qui te juge, quand c'est ta conscience qui te fait des reproches, tu es vraiment mal pris. Parce que tu ne pourras pas vivre. C'est ça que fait le monde tuer tête, yo, on l'a. Yo pas qu'à supporter sa conscience, yo, abdi, yo. Mais Jésus offre-nous le pardon de nos péchés. Jésus offre-nous l'effacement de nos dettes. Jésus offre-nous une vie nouvelle. Jésus offre-nous pour changer l'avenir. Jésus offre-nous pour garantir nous la vie éternelle. C'est pour cela que nous insistons. Ne laissez pas passer cette occasion. Acceptez de marcher avec Jésus. Acceptez de lui dire en ce soir, Seigneur, je veux recevoir ton sceau. Je veux être marqué de ton sceau afin d'avoir la vie éternelle, afin d'avoir la vie sauve au dernier jour. Je ne veux pas être perdu. Je ne veux pas être avec ceux-là qui vont être brûlés dans le feu éternel. Je veux être avec toi. Nous insistons parce que c'est le vœu de Jésus pour vous. C'est ce que Jésus souhaite. Et c'est lui qui nous envoie ce message pour vous. Car il dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son amour pour chacun de vous veut que vous ayez la vie. Son amour insiste pour que vous ayez la vie. Son amour voudrait que chacun de vous prenne la décision d'avoir la vie. C'est pour cela que nous insistons. Prenez la décision. Demandez la carte. Nous allons chanter pour terminer avec la séance. Faites signe et vous allez recevoir la carte. Tu connais mieux que moi-même. Nous allons nous mettre debout pour prier. Demain soir, nous n'allons pas travailler, mais nous allons vous rencontrer jeudi et vendredi soir à partir de 7h. 6h, convocation pour ceux-là qui ont pris la décision de se faire baptiser, pour la préparation pour le baptême, pour rencontrer les anciens, pour finaliser tout ce qui doit être finalisé pour le baptême. 6h pour les candidats au baptême
et 7 heures pour le reste de l'assemblée pour continuer avec notre programme. Nous prions le Seigneur avant de partir. Éternel, notre Père, tu as lancé un message d'urgence pour tes enfants. Tu nous as rappelé que le jugement est proche. Tu nous as demandé de te craindre. Tu as lancé cette invitation à chacun de nous pour retourner à l'adoration vraie, l'adoration que tu acceptes, l'adoration dirigée vers le Créateur de toutes choses, l'adoration qui nous rappelle que tu nous as créés, l'adoration qui nous met en position de serviteur. Nous avons reçu cet évangile pendant ces 3 semaines. Nous avons compris que tu veux que tes enfants obéissent à ta parole, que l'obéissance à ta parole nous épargne la marque de la bête. L'obéissance à ta parole nous qualifie et nous donne l'identité de fils et de filles. L'obéissance à ta parole nous permet de recevoir le sceau de ton salut. Tendre Père, en ce soir, nous hésitons pour certains d'entre nous à prendre la décision de nous faire baptiser. Mais tu sais très bien que nous t'aimons. Utilise la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, pour nous convaincre. Pour nous convaincre que nous avons reçu la vérité. Porte-nous, Seigneur, à décision. Porte-nous, Seigneur, à faire le choix qu'il faut avant qu'il soit trop tard. Et pour ceux-là, Seigneur, qui ont déjà pris la décision, donne-leur la force. Donne-leur, Seigneur, le discernement pour pouvoir vivre dans ce monde de confusion et de montrer qu'il y a un Dieu qui règne dans le ciel. Agis pour chacun de nous, Seigneur. Pour tous ceux-là qui ont participé à cette campagne, déverse une grande bénédiction sur tes enfants. Donne-nous de voir nos maladies disparaître de nos vies. Donne-nous, Seigneur, de nous toucher. Donne-nous, Seigneur, de sentir ta présence. Touche-nous, Seigneur, et permets que nos corps reprennent force. Permets que nos esprits reprennent, Seigneur, vie et que nous puissions marcher avec toi. Donne-nous, Seigneur, en ce soir, la possibilité de raconter tes merveilles. Donne-nous, Seigneur, un miracle dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, un témoignage pour montrer aux autres que tu es vivant dans nos vies. Tu as agi dans le passé. Tu as protégé tes enfants. Tu nous as nourris et protégés. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons une grâce spéciale. Donne-nous un signe. Selon ce qui est nécessaire pour notre salut, donne-nous un signe. Chacun a besoin, Seigneur, de signes spéciaux pour montrer que tu es vivant, pour montrer que tu vis, que tu as besoin de notre salut. Montre-nous, Seigneur, que tu nous veux. Agis autour de nous. Agis au sein de ton peuple. Agis au sein de nos familles. Agis au milieu de nos enfants, et permets-nous, Seigneur, de raconter ta gloire. Fais un miracle pour tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir dire haut et fort ce que tu as réalisé dans nos vies. Transforme-nous. Transforme-nous, Seigneur. Donne-nous de garder ces paroles dans nos cœurs jusqu'à ce que tu reviennes.
Donne-nous, Seigneur, de penser à ces paroles, d'obéir à ces paroles et, Seigneur, de rester attaché à toi, de rester sous tes ailes jusqu'à ce que tu reviennes, parce que sans toi, nous n'aurons pas la vie éternelle. Bénis ceux-là qui nous écoutent, Seigneur, à travers les ondes. Permets, Seigneur, que là où ils sont, ils puissent recevoir aussi ta puissance. Fais un miracle dans cette église. Donne-nous de raconter ta gloire. Nous te supplions, tendre Père, pas parce que nous avons eu des mérites, pas parce que nous sommes bons, mais nous te supplions ainsi parce que nous croyons en Jésus-Christ, ton Fils. Lui qui est mort sur la croix à notre place. Lui qui nous a appelés à la vie. Lui qui a donné sa vie à notre place. Nous croyons en lui, Seigneur. Et donne-nous de jouir toutes ces choses parce que lui est vivant. Il est ressuscité et il revient bientôt nous chercher. Renvoie-nous de ces lieux, Seigneur, avec l'onction de ta paix et de ta grâce. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Merci, bonne soirée. Juste une petite...